Salut Cello! Je continue mon aventure sur Planet Crafter. Et donc j'étais parti pour aller sur ce vaisseau-là. Vous vous rappelez, il n'est pas loin du point de départ, hein, en fait. Bah, pas très loin. Donc ici, le vaisseau. Et à côté de ce vaisseau, je fais toujours ma petite construction comme ça au niveau. Je fais des économies d'oxygène, c'est plus simple. Et à côté du vaisseau, on a, c'est pas ça, là, de l'osmium. Alors, là voilà, comment ça fonde à 100 UNK, on voit pas bien là. J'arrive pas à l'afficher en même temps. Bon, c'est de la glace et ça commence à fondre à partir d'un certain moment. 100 NK, voilà. Donc là, j'ai pas... j'avais pas forcément monté plus que ça le tout ce qui était chauffage, mais bon, ça petit à petit c'est monté. Ah tiens, il y a même du soufre, donc soufre et ça. Ah, ça fond à 5 5 5. Un peu plus de température pour que ça fonde, c'est ça. Ouais, ça doit être ça, l'unité est plus importante. Et okay. Bon bah super, donc là j'ai récupéré donc 5 osmium et 4 soufre. C'est vraiment pas mal. Récupérer ça. Dans le vaisseau à côté là. Ouais, je vais d'abord aller voir dans le vaisseau. Là, je vais... Voilà. Et puis s'il y avait grand chose. C'est dedans, je ne sais plus. Alors, I, droite, est-ce qu'il y a quelque chose par là? Non, c'est vidé. Droit, ah, il y a un coffre là. C'est vide. Oups. Trompe, ah, ça c'était quoi? De l'Irma, une petite graine classique, non ça c'est pas. Et ici, ah, et encore des bons. Rien, on va les prendre. Tout vider comme ça, je suis sûr. Que je suis passé dans le coin. Alors ici, là. C'est tout. Okay. Voilà, c'est vide. C'était vidé. C'est parfait. Bon, voilà, comme ça ici, je sais que ça a été fait. Ce vaisseau va être totalement vide. Et je vais. Je vais prioriser. Pardon. Osmium. Oh, le titane. Oh, les graines, non. Graines après, hein. Le soufre. Encore, il va falloir faire encore un coffre, un nouveau coffre à osmium, quoi. Un nouveau coffre de ressources, quoi. Titane, bon, allez, le titane à la rigueur. Je vais laisser là. Donc, je vais voir derrière. Un accès ou pas.
pas d'accès par ici. Ah, et un coffre doré. Alors j'en avais entendu parler, mais j'en ai jamais vu. Donc ça, c'est mon premier coffre doré, super. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur? Oula, oui, ça c'est statuette dorée, ok, d'accord. Multiplicateur d'oxygène. Ok, ok, bon bah je vais faire un petit aller-retour pour déposer. Je vais prendre d'abord ça. Hein. Alors les graines, ça je pose. Le coffre ici, il est plein aussi. Alors, donne-moi ton contenu, petit coffre. Merci, voilà. Ah. Alors, ah ouais, il y a même un... Ah ouais, d'accord. On va boire un coup. On va manger ça? Non, non, viens ici, toi. Viens ici. Mais... Bon, quoi que vous allez voir, là, j'ai trouvé un endroit pour les matériaux là, les... Comment on appelle ça déjà? Super alliage. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Il y a un endroit où on en trouve à l'appel. C'est vraiment bien le... Ça aide vraiment le jetpack 1. Je sais pas s'il y a un T2, un jetpack T2. Parce que oui, hein, vu que j'ai posé une deuxième foreuse aussi là. Donc par contre au niveau électricité courant là, il faut vraiment que je... Voilà, j'ai un peu à réaménager tout. Hein. Aménager tout, j'ai fait un étage encore mais où il n'y a rien encore, hein, c'est juste en observation. Je suppose que là-bas il y aura peut-être, je sais pas s'il y aura des chutes, peut-être, je ne sais pas. Alors, donc, le super alliage, là. Super alliage, vous voyez, bon, j'en ai ramassé quelques-uns déjà, j'en ai déjà utilisé, je crois, pour, je ne sais plus ce que j'ai fait déjà avec. Je vais mettre dedans, uranium. Il n'y a que l'uranium où j'ai pas trouvé encore de pot à uranium. Donc l'iridium, ça j'en ai encore retrouvé un autre endroit. Ça, je vais mettre dedans en attendant. Le soufre aussi, allez. Je mets dedans parce que j'ai plus de place dans mon coffre à iridium, là c'est plein. C'est plein. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut... Donc je voulais faire... Ah oui, cette plante là, c'est... Ça c'est quoi? Grainerie multiplicateur d'oxygène 600. Est-ce que ça, ça serait pas mal de le mettre à l'extérieur? Dans... Dans ça là. Biomasse. Oxygène. Énergie. Oxygène 108. C'est ça qui produit le plus, je crois. Reste seconde. Ouais, bah oui. Ah oui, mais non, ça c'est un... 7,5. Je vais mettre ça dedans, hein. Voilà. Un tout petit passage là, qui m'en restait. Heureusement, j'ai pas fait attention en descendant. Mais bon, le jeu est conçu, je pense, pour pas que les choses comme ça, les structures rondes viennent toucher. Alors là, j'ai mis mes petits légumes 100%. Voilà. Alors je ne sais pas,
J'ai pas fait attention si ce qui donnait le plus. Restore 40, Restore 25. Ah ouais, donc les courges, c'est nettement mieux. Ok. Donc là, j'ai mis quelques chauffages ici en long. Ça m'en fait deux de plus par rapport à avant. Là, j'ai fait un petit. On dit comme ça. Un petit style. Bon, c'est pour que ça me plaise, hein, en fait. Ah oui! Et là, ça, je l'avais pas montré la fois d'avant. Là, on est à 3,5% sur les lacs. C'est, là, ça monte très, 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 très lentement. Vraiment. Donc, il va falloir vraiment que j'augmente. Ah. Stéroïde qui s'active. Oula, ça tombe dans tous les sens. Hein. Petite étendue d'eau, ça c'est cool. Attention, j'ai encore j'ai l'oxygène sur moi. Ça c'est vraiment sympa, ouais. On voit tout doucement. Alors, est-ce qu'on peut aller voir cette eau là? Est-ce que ça se boit aussi? Boire ou pas? Non, pas encore. Pas boire. J'ai eu plein, non? Bah, je vais récolter, d'accord. Je peux pas. J'avais laissé un peu ici, qu'est-ce que j'avais laissé? Non. Ah, oh, mais tout ça, d'accord, ok. Bon. Oxygène. J'ai rien que je peux laisser. Alors, là il faut que je fasse au niveau énergie. Je vais monter mon. C'est le réacteur. Je sais pas pourquoi je vais appeler ça un réacteur, c'est pas un réacteur. C'est ça, un réacteur nucléaire. Donc il faut la barre d'uranium et 3 super alliages. Bon, la barre d'uranium normalement. Uranium. Il me semble que j'en avais looté une quelque part, non? On n'avait pas trouvé une dans... Non? Ah non? Ah oui, et j'ai plein de puces à tester pour voir si il me donne quelque chose d'autre. Ça ici, titanium. Alors, super alliage, ok, et là. Magnésium. Oh, c'est quand même mieux d'être bien organisé. Bah, déjà un peu mieux organisé quoi.
barre d'uranium. Il me semblait vraiment que j'en avais une quelque part de barre d'uranium. Dans un coffre. Oh, j'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, allez. Donc l'uranium. Ah zut. Alors 3, 4. 3, 6, 9. Il me faut ça. Barre. 2 bouteilles d'eau. Ah ouais, les bouteilles d'eau. Pardon. Ça c'est excellent pour récupérer l'eau, le récupérateur là. Vraiment top ça. Purement d'eau du tout. Ça, il me faut 3 super alliages. Et 3 super alliages. Voilà. Est-ce que ça se fait pas à l'intérieur, je suppose. Et... ah, on peut le poser à l'extérieur, ok. Comment je vais faire ça? Cet écran-là, faudrait... on va puis faire une salle énergie... alors je les pose là. Je pense pas que je vais agrandir par ici. Là. Alors, où on est là, niveau électricité, 352, moi j'étais vraiment, il rapporte 80 et quelques en plus, c'est déjà, c'est vraiment bien ça, hein, c'est vraiment bien, là, je vais pouvoir remettre foreuse, la foreuse, il faut du fer, de l'aluminium. Allez. Aluminium. Je vais reposer deux, hein. Et du titane. Voilà. Deux foreuses. T3. Accélérer au niveau de la pression, ah voilà, ça monte vraiment beaucoup. Donc l'oxygène, l'oxygène. Faire que j'augmente hein, ça, les épandeurs, etc. Ça, épandeur oxygène, faut que j'en mette plus. Hein. Faut que je mette plus d'épandeurs oxygène. Et il me faut du silicium, de l'aluminium. L'aluminium, c'est pareil, j'ai pas trouvé de spot vraiment. Bah si, il y a un spot à côté, mais. Je pense qu'il va falloir que je mette un. Ça en fait. Bah oui, là je peux faire ça. Il faudrait plutôt que je me concentre déjà sur faire ça. Parce que là, il me reste qu'en aluminium. Bah c'est bon. Ah, nouveau plan reçu. Sac. 5. Là, ça se fait sur ça, je suppose. Et 3. Non. Ah, ça se fait certainement sur ça, là. Et 5, il faut quoi? Ok. Bon, ça a doté 4, forcément. 3 alliages et 1 titane. Ok. Et ben, ça tombe bien. Ça tombe vraiment bien, puisque comme je voulais vous montrer où se trouvait le... les alliages. Ça j'en ai vraiment trop là.
des graines ici. Avec ça. Je vais garder un truc comme ça, une boucle de deux oxygènes, de l'eau. Ah, et... je vais faire un épandeur quand même. Un petit épandeur. Comme je voulais faire, aluminium, graines de lirma, magnésium. Magnésium, où es-tu? Là. Et encore une bouteille d'eau. Je pense que dehors il va m'en donner là. Impeccable. Un épandeur. Mettre ça ici. Pas mal là ici comme ça là. Épandeur, ok, allez, le sac. Le sac T5 du titane. Titane, ça je mets pas là. Titanium. Fasse gaffe à. Ça, je vais le poser dans un coffre. Pas sur moi. What? Ah! Oh, chaque fois, je fais la bêtise, quoi. C'est pas possible, hein. Je peux pas le porter, forcément. Je fais cette bêtise de... faire tomber les trucs là. Une puce par terre quoi, mais la puce on la voyait à peine quoi. J'espère qu'il n'y a rien qui est tombé je ne sais où. Non. Mon sac. Donc les... Super, allez, j'en fous un, deux. Un troisième. Allez. Le sac T5. Ah oui. Hop, 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 hop. Ah oui, 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 là, c'est pas mal, là, ça augmente... ça augmente grandement. Le sac à dos, oh, c'est vraiment cool. En oxygène, donc je... Ah. Oxygène T4. Il n'y a pas d'oxygène T5 encore, non? Ok. Donc, bon, j'ai fait ça, c'est parfait. Donc maintenant, il faudrait que j'aille... je puisse aller poser ça, ça serait pas mal, hein. Un extracteur de minerai. L'aluminium, parce que je pense, ouais, c'est l'aluminium qui me... L'aluminium, le fer. Allez, faire un... 3, 6, 3, 6, 9, ok. Une barre. La barre et... d'autres, un super alliage de osmium, un super alliage de osmium que j'ai mis ici avec ça, de osmium, aluminium, titane, aluminium et titane. Ok, extracteur de minerai. Oups, à chaque fois j'appuie sur échappe. Donc je vais les mettre dans la zone. Peut-être que je reprenne un peu de... Je vais manger un truc là. Ah, sur moi j'ai quoi?
de l'oxygène au cas où. Parfait. Poser ça côté aluminium. Ici, là. Alors, si on pose ça ici, c'est quoi là? Sur la zone normale ici. Oh! Oh bah voilà, ça c'est. Oh super! Faut vraiment aller chercher. Ah, il me semble. Bah oui, dans les coffres là, il y avait des barres. Il y avait laissé dans le coffre à côté. J'ai pas fait attention. Oh, c'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir perdu deux barres par d'uranium de médium. J'ai peut-être pas fait attention encore où je les avais posées. La pluie. Encore en fer, hein, donc. Ah ouais, là j'ai une barre, deux osmium. Osmium comme ça. Ça je vais poser. Si, avec ça. Capteur d'oxygène 600%, faut. Je repose un. Un VG tube encore là. C'est pas mal aussi. Et avant que je me concentre sur ça, du titanium. Voilà. Ici. Bon, j'ai fait un aller-retour pour rien. J'aurais pu prendre de l'aluminium. Mais bon, la foreuse, elle va s'en charger à ma place. Alors, ici. Si on place ça là. Ah ouais. Quoi? Ah ouais, voilà, du uranium. Ah ouais, mais il faut que je refasse un. Oh, je vais refaire ça. Hein. Un réacteur là. Je trouve où je peux avoir de l'uranium. Voilà, c'est l'uranium qui me va me manquer. Allez, un super alliage. Et normalement j'ai tout ce qu'il faut pour refaire un... encore un. Voilà. D'eau. Ça va vite ça aussi, hein. Ça récupère extrêmement rapidement l'eau. Alors ça. Voilà, c'est un peu cool quand même. Hein. C'est du espace entre deux, ouais voilà. Là, au niveau puissance, ça va être top. 439. Oh, c'est bien, je suis pas à 100 de plus, mais.
C'est bien. C'est vraiment très bien. Donc, ça, ah oui, je vais faire un VG-tube tout de suite. Bouteille, silicium, magnésium. Silicium. Magnésium. Aluminium, je l'ai sur moi. C'est bon. Oui, on a déjà produit un. Je vais le mettre où ? Toc. Voilà. Alors la production d'oxygène 5,33 sur les lacs. Oxygène. Je sais pas s'il y a quelque chose qui. Ça j'ai toujours pas rien fait pour l'antenne, faudrait que je le fasse. Ça c'est pareil, aucun satellite en orbite, ok. Usez cartographie dans l'espace pour recevoir un signal, d'accord. Ok, ok. Bon après faut peut-être que je remette des chauffages, un plus de chauffage, chauffage T3. Ouais c'est vrai que ça j'en ai pas mis encore. Je vais mettre des chauffages T3. On va faire une barre là. J'en avais pas une d'avance. Lisez. Ça, j'en ai pas encore fait. Silicium, titane, aluminium. Ça se passe comment ça? C'est pas, on peut le mettre dedans. Je vais mettre là en attendant. Peut-être encore agrandir par là. Je vais peut-être agrandir cette zone de chauffage là. Autrement. Et donc, je vais. On va aller. Je vais vous montrer. Je mange, je bois un coup. J'ai de l'eau, l'oxygène, ouais ça l'aluminium. Montrer la zone. Il faut aller pour récolter. Super alliage. Vous allez voir, c'est pas très très loin. Après on peut y accéder sans jetpack. Hein. Vraiment, on va déjà en avoir quelques-uns sans jetpack. Je vois un coffre là-bas, j'ai pas été là-bas, j'ai pas pris ça. Ok. Yum. Allez. Alors, je suis passé. Sur le côté. On passe là. Et même qu'on peut monter après avec le jetpack, on peut monter là-dessus. Hein. J'y suis pas encore allé de ce côté. Là ici, rien que là, ici, voilà. Vous pouvez avoir déjà du super alliage quoi. Et là, si vous faites le tour, pareil qu'ici, là, vous en récoltez sans problème. Ça permet déjà de pouvoir faire les premiers crafts sans avoir de jetpack. Et voilà, et ici, vous avez un vaisseau. Avec pas mal de choses aussi à l'intérieur. Bah, un morceau de vaisseau. Avec pas mal de choses à l'intérieur. Et voilà. Et ben, si vous avez aimé. Oups. Je suis pas resté appuyé.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire si cela vous fait plaisir ou si vous désirez. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !